Salut, c'est Dany, bienvenue sur Bricomatos. Aujourd'hui, petit laser. Et attention, partez pas en courant, ça sera juste après l'intro. Bon, vous avez vu le beau logo un petit peu? Je vais pas vous faire languir, il s'agit d'un télémètre laser Bosch. La référence c'est GLM4000, alors c'est un modèle assez spécial. Je vous dis ça tout de suite. Et il m'a été proposé par AliExpress. Je vais vous détailler toutes les fonctions de l'appareil. On va faire 2-3 tests. Enfin bon, c'est un télémètre, hein, ça va aller très vite. Et surtout, l'intérêt, c'est que pour du Bosch Pro, alors c'est de l'entrée de gamme, hein, on est d'accord, forcément, enfin, bien que c'est pas le plus petit, comme le dit la référence, c'est un 40 mètres, qui est plus petit, il y a le 30 mètres, mais c'est un modèle assez particulier, qui, je pense, devait être destiné au marché asiatique. D'où le fait que j'ai eu beau chercher, j'ai pas vraiment trouvé de doc en français sur le GLM 4000. J'ai en revanche trouvé une documentation sur le GLM 40, qui est, lui, destiné à tous les marchés internationaux, et qui est presque identique. La boîte est totalement identique, c'est aussi un 40 mètres, il a toutes les mêmes specs techniques, sauf qu'il a quelques petites fonctions supplémentaires que n'a pas ce modèle-là. C'est pas du tout le même prix non plus. Regardez dans la description de la vidéo, je vous ai mis un lien. Allez jeter un œil, regardez le prix, sachant que moi je l'ai eu avec la petite pochette, donc vous pouvez le prendre sans la pochette, avec la pochette. Il y a plein de solutions. Et vraiment, pour ce prix-là, ça reste du Bosch Pro quand même. On va faire des petits tests de précision, vous allez voir que il n'est pas en reste malgré tout. Allez, je vous montre ça. Alors voilà comment il se présente. Voilà. Et émission, réception, comme d'habitude. Trappe à pile, deux piles AAA. Sur le carton, il est marqué Made in China, mais quand on regarde l'étiquette, c'est marqué Made in Malaysia. C'est du Bosch Pro, mais c'est des modèles un petit peu spécifiques. Pour allumer la machine, vous avez deux possibilités. Soit le bouton marche arrêt là, auquel cas il ne se passe rien. Pour éteindre, on reste appuyé 2 secondes. Soit on peut appuyer directement sur le bouton, gros bouton rouge là, qui est le bouton de mesure, auquel cas il part en mesure directe et il allume directement le laser. Voilà, je rappuie une fois, il me fait une mesure. Ça, c'est pour ceux qui veulent que ça aille vite. Alors, on va l'allumer normalement. Il y a un petit picto avec cette flèche qui part de l'arrière, comme ça, qui remonte comme ça. Ça veut dire que la mesure est prise de là. La limitation du modèle 4000, c'est ça. C'est que il ne fait que cette mesure. Sur le GLM 40, vous pouvez changer, lui dire que c'est là, que c'est... Je sais même pas s'il n'y a pas une fonction au milieu. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas ce modèle-là. On va parler que de ce modèle. Donc ce modèle est limité à la mesure arrière. Alors avant de passer aux fonctions et aux détails des fonctions, il y a un petit bip à chaque fois qu'on appuie sur, je sais pas si on l'entend bien, mais il bip. Certains peuvent trouver que c'est enquiquinant. Donc quand c'est comme ça, vous l'éteignez. C'est la seule fonction réelle de paramétrage, on va dire, de la machine. Vous appuyez sur le gros bouton là et vous restez appuyé. Vous allez voir ce qui se passe. Il vous dit « sound on, sound off ». Donc si vous voulez le désactiver, vous attendez qu'il soit sur « off » et vous relâchez. Et là, on n'a plus du tout de son. Si vous voulez le réactiver, il faut l'éteindre, vous refaites ça. Et vous attendez qu'il soit sur sound on pour le relâcher. Et là, il refait des bips. Mais on va être sérieux, les bips, ils sont pas très forts. C'est pas très enquiquinant. Je préfère parce que au moins, ça m'indique qu'effectivement, j'ai appuyé sur la touche et que j'ai correctement appuyé sur la touche. Avec ce type de clavier-là, des fois, on pense qu'on a appuyé comme il faut. Et en fait, non. Il y a aucune autre fonction cachée. C'est un modèle extrêmement simple et... Peut-être justement que beaucoup vont trouver que bah c'est bien. C'est pas parce que c'est un bas de gamme qu'il est moins bon. C'est un bas de gamme, il a moins de fonctions, il fait moins de choses que les hauts de gamme,
mais les choses qu'il fait, il les fait bien. C'est ce qu'on attend de Bosch. On va vérifier, on va faire des mesures, on va voir si c'est pratique. On va faire une petite opération simple pour vérifier si la précision est au rendez-vous. Quand vous l'allumez, vous avez cette petite barre qui clignote, ça veut dire qu'on est en mesure directe. Donc, on appuie une fois, on allume le faisceau laser, on valide, on a une mesure. Simple. On peut faire une autre fois, on valide, on a une deuxième mesure. On peut faire, allez, on va faire une troisième fois là, tiens, toc, sur la tasse. Hop. Alors, je vais vous montrer tout de suite une fonction qui est la fonction mémoire. On a trois mémoires. Si je veux aller voir, ça c'est la dernière mesure que j'ai faite. La première, la troisième et la seconde, elle est là. Si la seconde, elle me plaît plus, je peux l'effacer avec le bouton C. Et voilà. Et là maintenant, j'ai ce qui était la troisième qui est devenue la deuxième. La première. Voilà. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, mémoire, c'est 10 mémorisations, pas une de plus. On a aussi une possibilité d'ajouter des mesures. Donc, en imaginant que vous avez un pan de mur comme ça, un pan de mur comme ça. Par exemple, vous voulez savoir quelle est la longueur totale. Je prends ma première mesure, 1,85 m. Je veux ajouter une deuxième mesure, je fais plus. Je prends ma deuxième mesure. Et quand je fais plus, on va savoir pourquoi, il fait le égal 2,05 m. Et si je veux retirer une troisième mesure, est-ce que ça marche? Troisième mesure qui est de 40 cm, 2,055 m, moins 40, ça fait 1,655 m. Voilà, c'est des fonctions de calcul comme ça qui peuvent être intéressantes dans certains cas. Allez, on va aller remettre un peu d'ordre là-dedans. On efface les mémoires. Deuxième fonction, quand vous avez cette petite flèche en pointillé qui clignote, ça veut dire qu'on va être en mode de mesure continue. Je valide une fois, il me fait une mesure et je déplace, vous voyez, suivant sur quoi je pointe, il me change ma mesure en continu. Si je rappuie, il s'arrête. Fonction classique. Allez, dans les fonctions classiques, mesure de surface. On mesure la longueur. On mesure la largeur. Surface, 0,651 m². Vachement compliqué, vous avez vu ça un peu. Allez, fonction suivante. Le volume, encore une fonction classique. On mesure la longueur. Allez, hop. On mesure la hauteur au plafond. Voilà. Et maintenant, la largeur. 1,121 m³. Allez, fonction suivante. C'est ce qu'ils appellent une mesure pythagoricienne simple. C'est-à-dire que on va imaginer un mur qui est face à vous. Il fait à peu près 5 mètres, par exemple. Au milieu de ce mur, vous avez une poutre. Si vous vous mettez en bas du mur, vous pouvez pas prendre cette hauteur parce que vous avez la poutre qui vous gêne. Donc, l'idée, c'est de se reculer, de se mettre à un certain endroit, de prendre la mesure au ras du sol. Première mesure. On va incliner comme ça et on va aller pointer le haut du mur. On prend la deuxième mesure et en théorie, il nous donne cette hauteur de mur. Alors, j'ai regardé dans la doc du GLM40. La doc qui est fournie, qui est là, est complètement en chinois. Vous avez une application sur le téléphone Google Traduction. Prenez celle-là, c'est celle qui marche le mieux pour ça. Vous vous mettez en mode appareil photo et vous vous positionnez au-dessus du texte. Vous lui dites que c'est du chinois. Chinois simplifié, c'est plus facile. Chinois simplifié, traduire en français. Juste vous vous positionnez au-dessus et il vous affiche la traduction à la place où il y a le texte. C'est pas forcément toujours super facile à utiliser, mais ça fonctionne. Et en faisant comme ça, cette doc, elle est sérieuse, elle est pourrie. Il n'y a rien à en tirer. Vous avez une espèce de petit dépliant comme ça dedans, avec des beaux dessins. Ça vous dit pas grand chose. Mais sur cette fonction, allez, on va estimer que ça, c'est la représentation de cette fonction.
il y a plusieurs éléments qu'on voit qui sont très importants et qui semblent beaucoup influencer sur cette mesure. En fait, il faut que le plan de référence qu'on appelle, donc la partie basse, soit plate. Je dirais quasiment de niveau. Contrairement à certains télémètres laser qui vous offrent la possibilité de pointer en bas, de pointer en haut, clac, et il va déterminer la hauteur. Lui, non, il a absolument besoin que son plan de référence soit droit. Vous voyez, le niveau du sol est très bas. Bon, le centimètre qui est là ne va pas gêner. Dans le pire des cas, vous aurez une erreur de peut-être un centimètre, ce qui n'est pas catastrophique. Et même Bosch le dit, attention, ce type de mesure est très imprécis. Pour vous le cacher, j'ai fait plein d'essais. Et à chaque fois, je dirais que c'est un petit peu porte-nawak. Parce que là, on est dans un mode de mesure basique, simplifié. Il n'y a que des modèles haut de gamme qui vont avoir la capacité de gérer mieux le dénivelé et de vous donner une fonction qui est exacte. Si j'essaye de faire ça, ce que j'ai fait, hein, je vous le cache pas, j'essaie de mesurer ma fenêtre comme j'avais fait la dernière fois que l'autre, que dalle. C'est faux, ça vaut rien. Alors, je dirais que pour cette fonction-là, faut pas prendre ce genre de télémètre. Si vous voulez avoir cette fonction absolument, faut prendre un modèle au-dessus dans la gamme. Oui, j'ai oublié de vous dire un petit détail. Dans cette version-là, on ne peut pas le changer d'unité de mesure. Alors, on va faire un petit test. On va se placer pile. Quand je dis pile, je vais essayer de faire pile 60 cm. Je le maintiens. Eh, ça rigole pas, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? Vous avez vu, je triche pas. Hein. Ça n'a pas d'intérêt de tricher dans l'absolu. Allez, on va passer à la conclusion parce que c'est juste un télémètre. On va faire un petit les pour, les contre. Pour, c'est un Bosch. Ça veut pas dire que c'est la 8e merveille du monde. Ça veut juste dire que, comme je l'ai déjà dit, on est en droit d'exiger une certaine qualité. Et là, test de précision, on l'a. Il fait les quelques fonctions basiques qu'on attend d'un télémètre de cette gamme-là. Bon, la pythagoricienne, ils l'ont mis histoire de dire, mais laisse tomber. Donc ça serait dans les moins mesures pythagoriciennes, complètement pas fiable. Le restant, super. Le plus, cliquez sur le lien, vous allez voir le prix. Regardez, juste, vous tapez GLM40 et vous allez voir où vous voulez. Sur n'importe quel site, regardez le prix du GLM40 qui est le même. Sauf que vous allez pouvoir lui dire de prendre la mesure d'ici au lieu d'ici, et vous allez pouvoir le mettre en mesure impériale. Entre vous, de vous à moi, combien on est à utiliser des mesures impériales? Pas moi en tout cas. Pour moi, qu'il soit que en métrique, c'est impeccable. Voilà, quand j'ai besoin de mesures simples, ça, c'est bien. Est-ce qu'il donne ce qu'il promet? Oui, je valide. Pour ce prix-là du Bosch Pro, il n'y a pas photo, quoi. Si vous êtes toujours là, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Mettez vos appréciations, vos retours. Dites-moi si vous utilisez aussi des télémètres Bosch ou d'autres marques, d'ailleurs. Hein. La pochette, ça coûte 10 balles de plus avec la pochette. Ça rentre bien de... ça rentre bien dedans. Nickel. Il n'y a pas à dire. Et sur ce... À très bientôt pour une nouvelle vidéo.